Bonjour, élève harmoniciste. Sais-tu qu'il est midi et que nous sommes samedi? Oui. Alors, c'est l'heure de la vidéo du samedi midi. Aujourd'hui, un grand standard de jazz, I'm Glad There Is You, plus connu sous le titre I'm Glad There Is You in This World of Ordinary People. Je suis heureux qu'il y ait toi, que tu existes dans ce monde de gens ordinaires. Dans cette école qui regroupe des élèves ordinaires, je suis content qu'il y ait toi. Oui, toi, cher élève. C'est un morceau qui était composé, donc paroles et musique, par Paul Madeira et Jimmy Dorsey, et qui a beaucoup été repris par le saxophoniste de jazz Cannonball Adderley, qu'on appelait avant Cannibal Adderley parce que, en fait, il mangeait beaucoup de viande. Il n'était pas végétarien du tout. Mais bon, un noir l'appelait cannibale, bon, c'était pas terrible, terrible. Donc on a modifié son nom, je crois même que c'est lui-même qui s'est dit le. On va changer ça, non, c'est pas cannibal, c'est cannonball, parce que je joue comme un boulet de canon. Ok. Donc ça s'appelle I'm Glad There Is You. Je joue sur une bête de course en si bémol. Je te fais donc la démonstration et après le morceau, je t'apprends à le jouer.
Alors, as-tu apprécié cette balade de jazz? Si oui, eh bien, je suis très content parce que moi aussi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette balade. Alors évidemment, ce n'est pas de niveau 1, même pas de niveau 2, puisqu'il y a effectivement des notes naturelles, c'est évident, des altérations inspirées et même un overblow en 5. Si tu veux tout de même apprendre à le jouer, si tu es de niveau 3 ou que tu commences à travailler les overblows, eh bien tout simplement tu cliques sur le i comme invitation ou sur le lien en description de cette vidéo. Tu vas être redirigé sur la page du catalogue de tous les morceaux qu'on peut apprendre à jouer avec une méthode que j'appelle la méthode dérive, D comme déchiffrage, E comme extraction, c'est-à-dire on repère les phrases difficiles, on les extrait du morceau pour les travailler séparément, R comme réintégration, on remet les phrases anciennement difficiles dans le morceau, I comme interprétation rythmique, V comme variation mélodique. E numéro 2 comme effet, on apprend à jouer la mélodie maintenant qu'on sait la jouer avec les bons rythmes et sur les bons temps de la mesure, cette fois-ci avec les effets harmonica, les vibratos, les deep bends, les glissandos, tout ce que tu veux. Donc je te montre ce que je fais et je te propose des effets à certains endroits. Après, à toi de choisir ce qui te plaît, de rajouter, d'en enlever, de faire ta propre interprétation. Une fois que tu as réussi à faire tout ça, eh bien tu passes à la septième et dernière phase qui est S comme solo. Prendre un solo, ça veut dire se mettre en avant tout seul devant l'orchestre en improvisation. Donc tu as 7 vidéos, c'est un cursus d'une semaine si tu regardes une vidéo par jour, ou d'une vidéo, si tu regardes une vidéo tous les 2 jours, bah, c'est un cursus de 14 jours. Si tu regardes une vidéo tous les 6 mois, c'est non, quand même pas, hein. Je pense que tu n'auras pas besoin de 6 mois par cours. La plupart des élèves font ça en 7 jours, 14 jours pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, ou 21 jours éventuellement. Évidemment, si tu es du niveau 1, bah, c'est vraiment prématuré pour toi, c'est un morceau de niveau 3, parce qu'il y a des altérations inspirées et un overblow en 5. Il n'est pas joué souvent dans le morceau, mais il est important. Très bien, donc tu cliques sur le i comme invitation ou sur le lien en description de la vidéo. Et nous, en tout cas, on se retrouve samedi prochain, samedi midi, car la vidéo du samedi midi, c'est tous les samedis à midi.